trop, on va aujourd'hui observer l'amas ouvert des Pléiades qui se trouve dans la constellation du Taureau. C'est un très grand amas ouvert, donc je vais avoir un peu de mal à tout placer dans l'oculaire, dans un seul champ d'oculaire. Donc ce que je vais sans doute devoir faire, c'est faire un dessin avec au moins deux, voire trois champs d'oculaire consécutifs. Donc il peut y avoir quelques petites erreurs d'approximation au niveau de la position de certaines étoiles, puisqu'à un moment donné, je vais perdre de vue mes étoiles repères au fur et à mesure que je vais avancer dans mon dessin. Alors dans les Pléiades, il y a ce qu'on appelle les sept sœurs, c'est-à-dire sept étoiles majeures très brillantes. On va essayer de les repérer sur le dessin. Une fois qu'on aura terminé, je mettrai au propre le dessin et on verra ce qu'il en est. Voilà, allez, c'est parti, on va observer tout ça. Bon, et bien voici la retranscription du dessin et de l'observation. Donc, on peut constater que on avait quand même de bonnes conditions de visibilité, vent nul, turbulence faible, transparence moyenne, pollution lumineuse, bon, bah, laisse caler. Voilà, donc l'objet observé fait 4 fois le champ de l'oculaire, donc il peut y avoir des imprécisions quant au placement de certaines étoiles. On va aller voir ça tout de suite. Donc au niveau des étoiles, on a donc les 7 sœurs. Donc on a ici là-haut Stérope, Maia et Taïta. On a Caliano, Electra. Ici on a Mérope et Alcyone. Et malheureusement, hors champ donc, d'observation, on a Pléione et Atlas, voilà les parents des sept sœurs. Voilà donc l'observation de ce soir est terminée. Et moi, je vous dis bonne nuit et à bientôt les astros.